Imagine un instant que la Terre se fende. Tout ce que tu connais et aimes est enseveli sous une couche de lave, de cendres et de poussière en quelques secondes. Un scénario d'horreur absolue que certaines villes et certains habitants ont dû expérimenter directement dans le passé. Mais si tu pensais que nous sommes aujourd'hui à l'abri des éruptions volcaniques catastrophiques, tu te trompes. En réalité, des diables de lave d'une taille inimaginable sommeillent actuellement sous terre, qui ont le potentiel de détruire le monde entier. Sommes-nous peut-être à la veille d'une apocalypse dévastatrice ? Reste à l'écoute et découvre-le avec nous. Les rois de la destruction. Pour ce qui est du plus grand volcan en activité de la planète, il n'y a pas d'autre choix que le puissant Mauna Loa. Situé à Hawaï, ce volcan bouclier s'élève fièrement à 4170 mètres de haut, complété par les 5000 mètres qu'il étend en même temps dans les profondeurs. L'éruption la plus récente du Mauna Loa ne date pas d'hier. En novembre 2022, la gigantesque structure a commencé à émettre de la lave incandescente qui s'est déversée sous la forme de plusieurs rivières, même à l'extérieur de ce que l'on appelle la caldeira. Pour une clarification rapide, le terme caldeira décrit une dépression de surface en forme de marmite qui est formée soit par une éruption volcanique explosive, soit par l'effondrement de chambres magmatiques proches de la surface. Compte tenu de la taille de Mauna Loa, il couvre la plus grande partie de son île natale. Il semble initialement difficile d'imaginer qu'il existe sur notre Terre des volcans encore plus grands, qui surpassent la puissance destructrice du géant de feu hawaïen. Et pourtant, certaines structures volcaniques possèdent une puissance destructrice si immense qu'elles font ressembler le Mauna Loa à un pitoyable cierge magique. C'est à juste titre que ces structures sont appelées supervolcans. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque les rois de la destruction entre en éruption et plonge le monde dans le chaos le plus total. Traces de destruction. As-tu déjà entendu parler du lac Taupo? Avec une longueur de 40 km et une largeur de 27,3 km, ce plan d'eau couvre une superficie de plus de 619 km², devenant ainsi le plus grand lac de Nouvelle-Zélande. Mais quel événement a créé le vaste lac Taupo, qui atteint par endroits une profondeur de 160 mètres? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter le temps d'environ 26 500 ans. À l'époque, un incident brutal s'est produit, que les chercheurs appellent aujourd'hui l'éruption d'Oruanui. Lorsque le supervolcan Taupo est entré en éruption, il a craché près de 288 km3 de cendres et de roches sur son environnement pendant plusieurs mois. À la suite de ce spectacle grandiose, la chambre magmatique située sous le volcan s'est effondrée, créant une caldeira qui s'étend sur 54 km². Dès lors, les rivières du grand bassin versant ont commencé à inonder le gouffre d'eau, donnant finalement naissance à l'impressionnant lac Taupo. Un peu de contexte. L'éruption de Pinatubo aux Philippines a été l'une des plus intenses du XXe siècle. Et bien que des dizaines de milliers de personnes aient été évacuées de la zone dangereuse en juin 1991, au moins 875 personnes n'ont pas survécu à l'éruption. Cependant, le volume de l'éruption de Oruanui a dépassé celui de l'éruption de Pinatubo de plus de 100 fois. On pourrait penser que de tels spectacles sont colossaux et écrasants. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire qu'un super volcan entre en éruption à l'autre bout du monde? Eh bien, ceux qui pensent ainsi se trompent lourdement. Car en fait, les conséquences drastiques d'un tel événement vont bien au-delà de la scène réelle. En 1816, les Européens et les Américains ont dû faire l'expérience douloureuse de l'influence dramatique de graves éruptions volcaniques sur le monde entier. En effet, l'éruption a alors entraîné le saut d'une saison entière. L'année sans été. Récolte abondante, soleil radieux, nature épanouie. Toutes ces choses ont été vaines au cours de l'été 1816 en Europe et dans le nord-ouest des États-Unis. Bien que le terme « été » dans ce cas n'aurait pas pu être plus inapproprié, alors qu'aux États-Unis, le thermomètre tombait en dessous de zéro la nuit et qu'il y avait même de la neige au Canada, les Européens se plaignaient également de températures anormalement basses, d'orages violents et de lourdes pertes de récoltes. À l'époque, personne ne pouvait expliquer ce qui sous-tendait cette année de malheur inattendu. En fait,
Il faudra attendre plus de 100 ans pour que cette énigme soit résolue par le chercheur en climatologie William Jackson Humphrey. Les changements climatiques spectaculaires étaient dus à l'éruption brutale du Tambora. Situé sur l'île indonésienne de Sumbawa, le volcan a fait 70 000 victimes en avril 1815. Alors que l'éruption atteignait une force de 7 sur l'indice dit de l'explosivité volcanique, environ 150 km3 de poussière, de cendres et de composés sulfurés ont été libérés dans l'atmosphère. Ces substances se sont ensuite répandues sur l'ensemble du globe et ont formé un voile qui a fait écran à la lumière solaire entrante et a considérablement refroidi le climat mondial. Les pertes de récolte qui en ont résulté ont entraîné une augmentation massive du prix des denrées alimentaires. À certains endroits, le prix des céréales a même quadruplé. En conséquence, de graves famines ont éclaté en Europe. Dans leur désespoir, les gens se sont tournés vers les feuilles et les plantes, les fruits non mûrs et les escargots. Effet secondaire typique des crises de famine, la maladie infectieuse du typhus a rapidement fait son apparition. Rien qu'en Irlande, on estime que plus de 44 000 personnes ont succombé à la combinaison de la faim et de la maladie. Mais même lorsque le pire fut passé, les effets de l'éruption volcanique primitive étaient encore visibles pour tout le monde. L'événement a provoqué une modification de la lumière du jour pendant des décennies, due aux rayons du soleil qui ont rencontré d'innombrables particules d'aérosol sur leur chemin dans l'atmosphère. Dangers actuels. D'accord, c'est vrai, l'année sans été remonte à plus de 200 ans. Ne sommes-nous pas assez loin pour interpréter à temps les signes d'une éruption supervolcanique imminente et mettre en place des contre-mesures efficaces? Eh bien, pas vraiment. Bien que ces structures surréalistes soient étudiées scientifiquement depuis un certain temps, nous n'avons toujours aucune idée du nombre de supervolcans qui se cachent actuellement sur notre Terre. Outre le Taupo en Nouvelle-Zélande, déjà mentionné, les représentants les plus connus sont la caldeira de la Garita dans le Colorado et Yellowstone, située dans le parc national éponyme aux États-Unis. Une étude scientifique publiée en 2021 attire notre attention sur une circonstance inquiétante. Nous manquons tout simplement de la compréhension nécessaire pour prédire où et quand un supervolcan entrera en éruption. Pour combler certaines de nos lacunes en matière de connaissances, une équipe de recherche internationale a examiné un ancien supervolcan en Indonésie. À la fin de l'étude, une constatation un peu troublante s'est imposée. Les supervolcans restent actifs, et donc très dangereux, pendant des milliers d'années après une super-éruption. Les résultats de la recherche déjà publiée dans la revue scientifique Earth and Planetary Science Letters en 2017 brossent un tableau similaire. Selon eux, les éruptions ayant une valeur VEI de 8 se produisent tous les 5200 à 48 000 ans. Et donc 10 fois plus fréquemment que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Ce qui est troublant, c'est que l'éruption d'Orua Nui a été la dernière jusqu'à présent à atteindre une valeur VEI de 8. Étant donné que l'éruption s'est produite il y a environ 26 500 ans, cela permet de conclure que nous nous trouvons actuellement en plein dans la fenêtre temporelle de la prochaine super-éruption. Mais comment est-il possible pour nous de détecter à temps une telle méga-éruption? Eh bien, les informations recueillies dans le cadre de l'étude 2021 soulignent principalement une chose. Nous en savons en réalité encore moins que ce que nous pensions auparavant. Des lacunes dévastatrices dans les connaissances. Car après une analyse des données géochronologiques et une modélisation thermique, les choses sont devenues claires. Le magma s'écoulait toujours et poussait la couverture de magma résiduel durcie vers le haut, même 5000 à 13000 ans après la super-éruption. Le problème, pour estimer l'imminence d'une éruption volcanique, les scientifiques examinent généralement le magma liquide situé directement sous la surface. Mais nous savons maintenant que les super-éruptions peuvent se produire même si aucun magma liquide ne se trouve sous un volcan. Il pourrait simplement dormir sous la croûte durcie. En d'autres termes, les concepts sur lesquels nous nous sommes appuyés par le passé doivent être complètement révisés. L'apocalypse moderne. Envisageons, pour la fin de notre vidéo, le pire scénario absolu. Un supervolcan entre inopinément en éruption, transformant les paysages environnants en un paysage lunaire apocalyptique. Quelles seraient les conséquences d'un tel événement? Et comment notre civilisation moderne pourrait-elle y réagir? Il n'est pas si facile de répondre à cette question. Après tout, l'éruption d'un supervolcan diffère grandement des éruptions ordinaires auxquelles nous sommes relativement souvent confrontés.
En général, les modèles des scientifiques suggèrent qu'un tel événement libérerait des quantités massives de coulées pyroclastiques. Ce sont les avalanches volcaniques de cendres, de roches et de poussière qui balayent le paysage à une vitesse de plus de 100 km à l'heure. Ce flux de destruction brûlant pourrait s'étendre sur 200 km et former une couche de 200 mètres d'épaisseur. Si l'éruption se produit près de la côte, elle peut également déclencher de gigantesques tsunamis. En fait, la quantité de cendres crachées pourrait être si énorme qu'elle ensevelirait une zone de la taille d'un continent adulte. Le nombre de victimes de l'éruption d'un supervolcan dépend principalement de son emplacement. Cependant, la règle générale est la suivante. Tout ce qui se trouve dans un rayon d'environ 100 km autour du volcan sera instantanément détruit. Même à plusieurs centaines de kilomètres de la zone de mort directe, le poids des cendres ferait s'effondrer les toits, aurait un impact massif sur les infrastructures et bien sûr, paralyserait le trafic aérien. Mais même les personnes épargnées par ces conséquences sont confrontées à un autre danger, les particules microscopiques de poussière volcanique qui peuvent déclencher de graves maladies respiratoires. Ce qui s'applique à nous, les humains, peut bien sûr aussi s'appliquer à la nature. Les dépôts interfèrent avec la photosynthèse, et les couches massives peuvent même déformer les grands arbres et former une substance semblable à du ciment en combinaison avec les précipitations. Comme nous l'avons déjà mentionné, les conséquences d'un hiver volcanique ne seraient pas moins catastrophiques. Les mauvaises récoltes et les morts massives d'animaux et de plantes pourraient déclencher une grave famine qui durerait des années. Certains experts soupçonnent même que les humains ont failli disparaître à cause de l'éruption d'un supervolcan. Cependant, cette interprétation de l'éruption du Toba, qui s'est produite il y a environ 75 000 ans, est tout sauf incontestée. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à nous laisser un pouce en l'air et à t'abonner si tu as aimé. Que penses-tu de ces puissants supervolcans ? Penses-tu que nous pourrions survivre à une super éruption ?